partout, mais je résiste. L'Afrique, c'est un grand marché. Généralement, si on reste dans nos micro-états, on n'arrivera jamais à ce développement, à ce bon. Cette évolution incrémentale soit remplacée. Le Maroc est le deuxième pays investisseur sur le continent africain après l'Afrique du Sud. Nous avons besoin d'un secteur privé fort qui s'investit dans nos économies. Eh bien, nous espérons que ce forum sera un terreau fertile pour de nouvelles initiatives, des entreprises audacieuses et des partenariats porteurs d'avenir. Lorsqu'il concerne deux départements, c'est un peu compliqué, multiplié. Celles qui sont moins belles, les améliorer et les soigner. C'est l'Afrique est devenue aujourd'hui le seul axe de croissance. C'est l'Eldorado actuellement. C'est le continent où il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez effectivement beaucoup d'opportunités parce qu'on est en phase de construction, en phase d'innovation, en phase de modernisation. Je dirais de saisir les opportunités, les énormes opportunités que représente le continent africain pour les petites et moyennes entreprises et pour aussi pour la grande entreprise. La vision du Maroc est d'être un des hubs sur le continent africain. Nous n'avons pas la prétention d'être un hub exclusif. Nous avons la prétention d'abord d'attirer les investisseurs au Maroc, et je crois que l'exercice a donné des résultats probants. Mais au-delà, nous avons besoin d'une coémergence africaine.